Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite de The Dark Side Detective avec l'inspecteur Francis McQueen. On avance bien, on a fini le chapitre 1 plutôt rapidement, je trouve, dans la première vidéo et on en était au chapitre 2. On est dans la bibliothèque et il se passe des choses étranges à base de fantômes, on dirait. Trop marrant, le page de chargement. Donc on s'était arrêté là, la dernière fois. C'est cool, ça reprend pile poil au même endroit. Et on avait découvert notre premier fantôme qui est Crowley. Est-ce qu'on avait fini de lui parler? Vous pouvez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît? On l'avait pas déjà lu ça? Je sais plus. It's pièce secrète, pouvoir incommensurable à l'intérieur, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, l'ordinateur. Le mot de passe, mais je n'ai pas le mot de passe. On dirait qu'il va falloir que je trouve le mot de passe. Ok, t'as fini de prendre de lire ça ou pas? Ces microfilms m'ont causé assez d'ennuis pour aujourd'hui, merci. Lecteur de microfilm, toujours cassé. Bon. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce stéréoscope et à qui tu parles? En fait, je pense qu'il vaut mieux que tu essayes de pas m'expliquer, en fait. Je te suis, inspecteur Maoul. Ok, d'accord, maintenant on voit les fantômes de partout, c'est génial. D'accord. Ah! C'est donc lui. Yitz. Ah, m'accorderiez-vous, cher monsieur, un instant de votre temps? Un autre? Un autre? Ah, un autre esprit, oui, eh bien, par votre question, vous avez répondu à la mienne. Pardonnez ma curiosité, mais j'aimerais savoir si, lors de vos errances, vous n'auriez pas croisé la route de ce vauréat de Crowley. Un individu mystérieux portant un chapeau ridicule? Lui-même, je savais qu'il rôdait quelque part dans les environs. Il a mentionné l'existence d'une pièce secrète. Ah oui, mais je ne puis m'étendre davantage sur le sujet, pas tant que la bête sera là. Mais je voulais juste... Pas un mot de plus, monsieur, pas un seul! Ok. Pourquoi partez-vous à un stéréoscope et Oh, ça fait partie d'un jeu. Je dois aussi faire semblant de parler avec des personnes invisibles. Pas d'autres questions? J'ai à toutes les réponses dont j'avais besoin. À plus tard! Ok. D'accord. Deuxième étage. Deuxième étage. Et la pièce secrète, on en parle ou... la pièce secrète. Je vous répète, monsieur, que vous et moi ne devrions pas converser tant que Crowley rôde, attentif à la moindre de mes erreurs. D'accord. Bon, bah on va aller voir un peu. Ok. Gale. Vous êtes auteur vous aussi? Je ne vous reconnais pas. Yep! Mais pas comme les autres pingouins là, avec leur fiction littéraire! Moi j'écrivais des trucs utiles, genre comment faire des branchements électriques, de la plomberie. Oh, c'est toi que je veux pour l'ascenseur. Vous croyez que vous pourrez réparer l'ascenseur? Avec des outils adaptés, je pense, ouais, mais il me faudrait un bouton neuf pour remplacer l'autre. Ouais, tiens, cadeau. Est-ce que ce bouton vous permettrait de remplacer celui de l'ascenseur? Faites voir. Ouais, je pense que ça peut aller. Donnez-moi quelques minutes pour l'installer, ok? D'accord. Trop marrant. Merci d'avoir réparé l'ascenseur, Gale.
Contente d'avoir pu vous aider, c'était sympa de me rendre utile. Oh yeah! Trois classes. Bon, attendez, je vais quand même aller voir les autres étages, parce que là, avec mon appareil, il y a plein de trucs qui apparaissent, quoi. Voilà! Bonjour, messieurs. Pratchett et Adams. D'accord. Oh, bonjour, j'adore ce que vous faites. Merci. Mais non, pas toi, espèce de... J'ai lu toutes vos histoires de détective, j'adore comment tout y est exagéré. D'accord, alors là, il doit y avoir une ref, à mon avis, ils sont méga connus, mais... Ah, navré, j'ai pas. D'accord. Et du coup, c'est eux qui jouent aux échecs, j'imagine. Ok. La statue. Ok. Ah, d'accord. Donc c'est une dame. Je pense que vous devriez lire celui-là. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'est une femme, oui. Oh là là, j'ai pas assez de voix de femme, c'est horrible. Oh, de quoi est-ce que ça parle? C'est l'histoire d'un garçon qui voit des morts. Oh, le sixième sens. Référence au sixième sens, enfin, je pense, je suppose. Oh, ce n'est pas pour moi, alors. J'ai peur des fantômes. Hein? Mais il est mort de là. C'est tout. Ça s'arrête là, hein? Ah! Je suis entourée d'un groupe d'affreux individus, tous plus insupportables les uns que les autres. L'enfant? Oh non, il est adorable. Je parle des féus d'occultes, d'auteurs d'horreur et fanatiques de bricolage. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. D'accord. Tu vois les fantômes, toi aussi, petit? Fantômes? Dis-moi, inspecteur, quel genre de bêtises t'essaies de lui mettre dans la tête? Oui, je les vois. Mais c'est mes amis. Enfin, celui-là, en tout cas. Il y en a d'autres qui sont moins gentils, quoi. Mais je les aime bien quand même, parce qu'avant ce qu'il arrive, j'avais personne ici, juste moi et Doris. Et elle lit que des bouquins sans intérêt et trop nul. Ok. Ok, ok. Si on allait voir au rez-de-chaussée... Ah, il n'y a personne dans le bureau. Est-ce qu'on doit lui parler Qu'est-ce que vous lisez Twilight, les crocs. Ah non, c'est pas Stowe, excusez-moi. Twilight, les crocs de l'amour, l'histoire déchirante d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un coup de feu vampire. Un coup de feu quoi? Oui, mais non, mais on l'a déjà lu ça. On l'a déjà lu. Je peux avoir le mot de passe Pour que vous puissiez accéder à mes meilleurs manuscrits pour courir. Doris, j'ai besoin de ce mot de passe pour pouvoir mener mon enquête. Et moi j'ai besoin de ce livre qui reste à l'abri des regards jusqu'à ce que mon génie soit enfin reconnu. Ok, me dis la même chose, c'est génial. Bon, ben, on va aller là, hein. Tiens, t'as vu, on dirait que Doris a enfin réparé le bouton de l'ascenseur. Non, c'était... laisse tomber. Ok. Ok. C'est violet, là, par là. Sérieux, livre. Une série de livres qui semblent n'appartenir à aucune autre section de la bibliothèque. Il y a, par exemple, comment cuisiner un dinosaure, si vous arrivez à en capturer un. Internet et autres modes passagères. Ah. Architecture de l'esprit par Sarah Bellum. Ou encore comptabilité et MMO, devenez le banquier virtuel que vous avez toujours rêvé d'être. On dirait qu'il est possible d'accéder au toit par là. Heureusement, c'est fermé. Vu le temps qu'il fait dehors, je préfère rester à l'intérieur. Ok. Edgar Allan Poe. T'arrives à peine à faire frissonner les mininettes, oui. C'est juste parce qu'elles sont pas capables de concevoir l'épouvante que j'évoque dans mes écrits, dis voyons. Par contre, toi,
Tu joues sur des clichés bateaux. T'es Penny et d'autres foules, ils ont rien d'horrible. Dans le meilleur des cas, c'est du macabre aux sensations. Ah, tes meilleurs œuvres ont même pas été écrites par toi, charlatan, imposteur, escroc spectral. Si. C'est vraiment ce que tu penses. Pourquoi est-ce que tu caches mes travaux? Eddie. Ah, je te l'ai déjà dit, c'est pas moi qui ai pris ton livre. J'imagine que tu l'as caché, parce que son contenu était trop terrifiant pour toi. Ah, mais qu'est-ce que tu peux m'agacer, moi? D'accord. Ah, pareil, il doit y avoir une rêve de ouf, mais j'ai pas là, je suis vraiment désolé. Poe et Lovecraft. Ah, j'ai pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas pris son fichier livre. C'est cette femme, Blitton, la coupable. Pourquoi vous ne lui dites pas? Parce qu'il refuse de m'écouter, pardi. Il est convaincu que j'ai caché son livre pour que plus de gens l'empruntent mes œuvres plus que les siennes. C'est absurde, mais ces sautes d'humeur me laissent indifférent. Mes travaux sont largement supérieurs aux siens. Il se comporte de manière supérieure. Il n'y a aucun doute quant au fait que je sois le meilleur auteur de terreur. J'ai marqué les esprits de toute une génération avec ma vision athée de l'horreur. Vision athée, ah, quelle fadaise! Oh, c'en est trop. Tu vas regretter ces paroles. Ah, je t'attends, scribouillard chétif! Arrêtez, vous deux, sinon je mets en dans une sorte de prison surnaturelle. C'est lui qui a commencé! Mensonge, c'est à cause de toi et de ton main. Je veux pas savoir qui a commencé, je veux juste que vous arrêtiez. Alors vous allez attendre sagement que je revienne, ok? Et je veux pas en entendre un bruit. Mandela. Hein? Ah oui, d'accord, il y a une section par ouf. D'abattre à zigouiller l'abécédaire du meurtrier. Dix petits maigres. Ah, ça me dit quelque chose. Calvin a mangé un flic. Erreur partagée. Fureur sur la route. Les fidèles. Errance fugace. Ah, quand on clique, il y en a 18 sans arrêt. Enfin, ça s'arrête pas, c'est trop marrant. L'étrangleuse, mémoire d'Evelyn Snoke. Erreur. Ça, ok, ça reprend là. Hante-moi plus fort. Le gong empoisonné. Gaspard Maison, autobiographie d'un fromager cannibale. Horreur, malheur. Les gargouilles des gargouilles. Henri Grospoint, champion de boxe à mort. 1934, une biographie. J'ai peur. Juste un jour de plus. Jugulaire meurtrier, guide illustré. Journal d'un apprenti éventreur. Laxatif sans recette, super. Le kickboxing pour les morts. KO, pas très technique. Cannibale carnaval. Liste d'horreurs à ne plus commettre. Maman! Ninja zombie et autres crossover improbables. Mort subite. Ne regardez pas dans le frigo. Le persécuteur. Le port des morts. Le port des morts vivants. Organe en origami. Comment ça? Le persécuteur. Les quatre marches du docteur Phi. Le rat maudit. Qui a défait le lit d'oncle Hubert? La revanche des revenants. 666 et 6 en chiffres romains. Mandeur. Sublime serpent de sang. Total apocalypse. Les Vosges, enfer ou réalité. Vivisection amusante. V pour Vendetta. J'adore. Waldo et ses amis au cimetière. La vanité des bouchers. Y a-t-il une mort après la mort? Extermination. Tant marrant.
Z comme Zombai. Yin et Yang, sans mandala. Zoom Zoom et petit zombie. Y a-t-il une... Ouais, ok. Donc trop marrant parce que là du coup pareil, encore une fois j'ai pas toutes les refs mais c'est plein de, j'imagine, de titres de vrais livres qui existent vraiment mais genre où il y a un troll dans le titre ou un truc comme ça. Que c'est pas écrit pareil ou que ça signifie autre chose, enfin bref, c'est assez drôle. Pour ceux qui connaîtront mieux, ça fera plus, c'est sympa quoi. Moi je comprends moins bien malheureusement. Ces bougies créent une certaine atmosphère mais elles représentent aussi un sacré risque d'incendie, bah tu m'étonnes. Étagère à livres sinistres. Cette étagère est particulièrement sinistre. Ok. Je suis jamais montée jusqu'ici avant. Parce que l'ascenseur est en panne ? Non, parce que ça fout les jetons. Ok. Maintenant que j'ai fait le tour de tout... de tous les fantômes en fait. Est-ce qu'il y a un intérêt? Que faire en fait? Pourquoi la fenêtre qui donne accès au toit est-elle fermée à clé? Ah, pour des raisons de sécurité. Est-ce que je pourrais avoir la clé? Ah, je crois que non. Pourquoi ça? Pour des raisons de sécurité. D'accord. C'est votre pile de romans à lire? Oh, je les ai déjà tous lus, ceux-là. C'est juste que comme il manque des pieds au bureau, je les utilise pour maintenir l'ordinateur en équilibre. Ouais, on y savait, mais... Alors là, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Ouais, elle a pris tes fesses en photo. Ils sont pas bavards, ils disent rien de spécial. Que puis-je faire? Est-ce qu'elle, elle parle pas bien? Ah! Veuillez m'excuser, mais est-ce que c'est vous qui avez volé le livre de Lovecraft? Les pauvres passent leur temps à se disputer sur lequel des deux a écrit l'ouvrage le plus terrifiant. Du coup, j'ai pris ce livre dans l'espoir que ça va mettre fin à leur querelle. Il semblerait que ça ait eu l'effet inverse. Eh bien, je suis désolée, mais je ne le rendrai pas tant qu'ils n'arrêteront pas leurs enfantillages. C'est hors de question. Et comment suis-je censée les convaincre d'arrêter? Ça ne me concerne pas. Vous voulez le livre, vous mettez un terme à leur dispute. Il doit bien y avoir un livre plus terrifiant que les leurs dans la bibliothèque. J'imagine que ça éliminerait leur raison de se quereller. Un livre plus terrifiant. Et toi, tu lis quoi? Non, il voit les fantômes. Ok. Et dans la section horreur, il y avait un livre terrifiant ou pas? Ok. Là, j'en prends un au pif ou pas? Non.
Là, il y a des livres... Ouais. J'ai rencontré votre ami Yetz. Il affirme que vous l'espionnez. Oh, je dois avouer que je prends un grand plaisir à tourmenter l'homme. Et il affirme également que vous cherchez à accéder à la pièce que vous avez mentionnée. Oh, excusez-moi. Ah, c'est exact. Je m'ennuie comme rarement de mon vivant. J'ai besoin de quelque chose à faire ou à lire. Pourquoi n'utilisez-vous pas cet ordinateur pour aller sur Internet? Deux mots. Contrôle parental. Oh, je vois. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de contourner le problème? Je vous en saurai gré. En attendant, restez ici et ne touchez à rien. Ok. Ok. Je trouve un bouquin qui fait peur. Il n'y avait pas de bouquin, non? Non. Si je parlais à Miss, en fait... Non, mince, je me suis trompée. Il y a des bouquins, là, qui font... Roxa, vous m'avez dit que vous cherchiez des informations sur Internet. Comment avez-vous fait pour y accéder? Eh bien, Sweater, on est d'humeur polissonne. Moi? Non, c'est juste que j'ai un ami qui a besoin de contourner le pare-feu de la bibliothèque. Le réseau de la bibliothèque est particulièrement bien protégé, c'est vrai. Je pense que Doris craint que quelqu'un ne s'y introduise pour voler ses fanfics en attente de publication. Mais comme j'ai réussi à deviner le mot de passe, je peux librement accéder à Internet. Tranquille. Vous voulez que je vous le donne pour que vous puissiez l'utiliser aussi? Oui, s'il vous plaît. Vous avez obtenu le mot de passe administrateur. 1, 2, 3, 4? Waouh. Ah, je fasse ça. Crowley devrait maintenant pouvoir réaliser ses recherches en toute liberté, je vais lui dire. Ok. Bon, j'ai fait en sorte que vous puissiez rechercher ce que vous voulez sans aucune restriction. Parfait. Comment dire, il n'est pas nécessaire que vous restiez à présent. Très bien. Je vous laisse à vos affaires dans ce cas. Fermez la porte en sortant et surtout, vous me dérangez pas. Ok, on peut parler du quoi machin. Ai-je bien senti? Oui, les yeux de la bête regardent ailleurs. Même l'air est plus respirable maintenant. Respirable n'est peut-être pas le terme le mieux adapté. Je vous demande pardon, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Évitez juste d'entrer dans cette pièce dans la mesure du possible. Je suivrai votre conseil. Merci. Que savez-vous au sujet de la pièce secrète? Je vous dirai ce que je sais. Il y a effectivement un lieu de dissimulé derrière la section d'horreur du troisième étage. Il renferme la source de la contamination fantomatique qui affecte ce bâtiment. Comment ai-je pu accéder à l'intérieur? Des ouvrages de la section des L agit comme un levier. Tirez dessus, mettez un terme à ce chaos. Bonne chance, mon ami. T'as entendu ça, Dolé? Entendu quoi? Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on se rende au troisième étage et qu'on accède à la pièce secrète en utilisant un des livres de la section des L. Hé, attends un peu, comment tu sais tout ça? Une intuition? Oh, et il a disparu. J'ai fini avec lui. On peut supposer que j'ai fini avec lui. Ah, je pense que je devrais lui laisser un peu d'intimité. Ok. Et ben c'est parti. La section des L.
Le livre dont parlait Yeats n'est pas là. Je savais pas que t'étais fan de Lovecraft. Oh merde. Ah oui, c'est celui qui manque, comme par hasard. T'es devant la section Lovecraft, là. Un peu trop un pied à mon goût. Je me demande si le livre manquant ne serait pas celui que Blyton a pris. Oh là là. Il faut que je résoude cette énigme-là, mais elle veut un livre qui fait peur. Oui, c'est là. Veuillez m'excuser, mais est-ce que c'est vous qui avez volé le livre de Lovecraft? Lui et Poe passent leur temps à se disputer sur lequel Détheux a écrit l'ouvrage le plus terrifiant. Du coup, j'ai pris ce livre dans l'espoir que ça mette fin à leur querelle. Oui, je suis d'accord, ok. Faut que je trouve un livre qui fait plus peur, un truc comme ça. Sinon, je vais les voir et leur fous une baffe à tous les deux. Vous n'avez pas intérêt à causer de problèmes, vous deux, compris? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas appris son fichier livre, c'est cette femme, Blyton, la coupable. J'avais pas la bonne voix, excusez-moi. Pourquoi vous ne lui dites pas? Parce qu'il refuse de m'écouter, pardi, et convaincu que je cachais son livre pour que plus de gens empruntent mes œuvres que les siennes. C'est absurde, mais ce sort de mort me laisse indifférent. Mes travaux sont largement supérieurs aux siens. J'ai plus sa voix, lui, au secours. Trop dur. il faut que je trouve un livre qui leur fait peur. Que faire? Alors, là, il n'y a plus machine. Toi. Merci encore pour votre aide, Rax. Ok, ceci, il reste de la pied et un homme de loi à l'enfer. Qu'est-ce que vous voulez chercher, au fait? Je préfère ne pas en parler. J'espère juste que ça n'apparaîtra pas sur le détail de la facture de la bibliothèque. Non. Ok, on va aller là. The Witcher, aventure d'un héros indécis. Mandela. Trop marrant. Je trouve un livre. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Hein. J'aimerais emprunter le livre que vous êtes en train de lire. Ah. Il vous faut une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. Est-ce qu'il serait possible de m'en faire une? Non,
je suis trop occupée par mon livre pour ça, désolée. Doulet, je peux utiliser ta carte? Elle présente plusieurs pénalités non réglées. Je parie que là, tu regrettes de pas m'avoir laissé conclure mon arrangement, hein? Bah non, sinon on prend ça en fait. J'aimerais emprunter le livre que vous êtes en train de lire. Il vous faut une carte à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. Une carte comme celle-ci? Comme celle-ci, oui. Parfait alors. Mais pas celle-ci. Elle n'est visiblement pas à vous. Ce n'est même pas votre photo dessus. Quoi? Faut que je trouve une photo de moi? Je sais pas. Je n'ai absolument aucune envie de mettre mon visage là-dedans. Mais j'ai vraiment besoin d'une photo de moi. Les trucs que je suis prêt à faire pour ce boulot. Vous avez obtenu une photocopie. Eh bah go. Mets de la colle. Non. Oui, mets de la colle là-dessus là. J'ai l'impression d'être de retour en classe de dessin. Photo collante. Hop. Ça va être la fausse pièce d'identité la moins convaincante que j'ai eu l'occasion de voir au cours de toutes mes années de service. Fausse carte de bibliothèque. Oh, pff, elle est juste horrible. Une photo de moi mal photocopiée et maladroitement collée sur une carte de bibliothèque appartenant à, de façon évidente à quelqu'un d'autre. Normalement, il n'y aura aucune chance qu'elle puisse fonctionner, mais j'ai vu des choses bien plus bizarres arriver dernièrement. Tiens, attends. Cadeau. J'aimerais emprunter le livre que vous êtes en train de lire. Il vous faut une carte de la bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. Une carte comme celle-ci? Oh, très bien. Tenez, Paul. Paul? Mais il s'appelle... Je m'appelle Paul, comme c'est écrit sur la carte. Ma carte, Paul. Vous avez obtenu mauvais roman. Gwilight. Ah oui. Exact. Ouais, il a dit quoi après? J'ai la nausée rien qu'en le regardant. Ok, alors. Les gars, voilà quoi. Est-ce mon livre? Malheureusement, non. De quoi s'agit-il? Du roman le plus terrifiant jamais écrit, et il ne l'a été par aucun de vous deux. Vous faites boire ça, jeune fille, blablabla, contre vampire, blablabla, histoire d'amour. Ça semble effectivement terrifiant. Sa seule existence suffit à me donner des frissons. Reconnaissez-vous qu'il s'agit d'un ouvrage plus terrifiant que vos travaux respectifs, et acceptez-vous de mettre fin à votre querelle? Oh, d'accord. D'accord. Comment un ouvrage aussi horrible peut-il exister? Et surtout, comment peut-il être aussi populaire? Stoker doit se retrouver dans sa tombe. Stoker, pardon, j'imagine. Le pauvre. J'espère qu'il ignore son existence. Ils sont partis, me voilà de retour. À la case, trouver le livre qui active ce levier. Yes. On s'en sort. J'ai réussi à les faire se mettre d'accord sur l'ouvrage le plus terrifiant qui existe. Je peux avoir le livre maintenant? Parfait. Je ne sais pas ce qui vous pousse à récupérer cette abomination, mais une promesse est une promesse, tenez. Vous avez obtenu un roman de Lovecraft. Oh, inspecteur, t'as ruiné l'illusion du gamin. Là, il voit plus le livre, mandat. Ok. C'est reparti. Allez, qui ne tente à rien n'a rien. Il y a eu un clic bizarre quand je l'ai remis à sa place. Levier. Ok, maintenant on tire là-dessus et... Tada, tada. J'imagine que c'est la porte secrète dont parlait Yeats et Crowley. Ces portes sinistres semblent former un pattern que je n'apprécie que moyennement. Laisse-moi deviner, tu vas encore rester ici pour assurer mes arrières? On ne peut rien te cacher, inspecteur.
Oh, quelle poule mouillée, quoi. Essaye de ne pas te faire assommer ce coup-ci, ça serait sympa. Embrasure de la porte sinistre. C'est parti. Voilà. Qu'est-ce que... d'où ça sort, tout ça? Magica, le guide créé par Aleister Crowley pour le célèbre jeu de sorcellerie. Guide gnostique des ghouls et spectres. Rituel moderne pour la sorcière du 21e siècle. On dirait des ouvrages occultes de contrebande. Sacrée trouvaille, en tout cas. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça? Le nécromignon, mille une blagues à vous faire mourir de rire. Le nécromicon, pardon, c'est moi. Ok. Trop marrant. Câblage explosé. On dirait que le câble continue vers le toit. Casquette de baseball. Bizarre de trouver ce genre de choses ici. Un crâne. C'est tout à fait normal de trouver ça dans une bibliothèque, non? Ah, et j'ai pris le crâne mais pas la casquette, ok. Tableau périodique des éléments magiques secrets. Shelley. Ah, un exemplaire de grimoire, mon beau grimoire. Il est ouvert à la page Invocation des esprits. Peut-être qu'en le refermant, ça mettra fin au chaos environnant. Ouch! On dirait qu'il est alimenté par ce câblage défectueux. Je me demande où il va. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? À l'instar du papillon attiré par les flammes, je suis attiré par les énergies eldritch émanant de ce livre. Et? J'aime les livres qui font peur et l'électricité. J'aime même allumer des bougies pour que ça fasse encore plus sinistre. D'accord. Un petit trou, peut-être que je pourrais faire tomber quelque chose dedans pour voir où ça atterrit. Un crâne. J'espère que ça va marcher. Ton, 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 ton. Reste plus qu'à découvrir où ça atterrit. En espérant que ça n'ait pas trop fait de dégâts. Ok. C'est un peu louche. Mais elle est méchante ou pas? D'accord. Je pars. Alors. On va chercher où est-ce que ça atterrit. Pas là, manifestement. Là non plus. Ah! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Je n'entends plus lire! Alors, petit, peux-tu me dire sur ce qui se trouve de l'autre côté? Que peux-tu me dire sur ce qui se trouve de l'autre côté de ce conduit d'aération? Je ne voulais pas le faire. Faire quoi? J'étais tout seul et je m'ennuyais. Alors je suis partie en exploration et j'ai trouvé plein de nouveaux livres trop cool. Mais celui que j'ai commencé à lire faisait très peur, alors je suis partie en courant. C'est après que les fantômes sont arrivés, mais je les aime bien. Parce que j'ai des amis maintenant. Vous voyez, il n'avait aucune intention de causer du tort à qui que ce soit. Un fauteuil de trouble! Arrêtez-le, il est coupable d'effraction! Dans votre pièce remplie de livres illégaux. Et si on disait que les deux chefs d'accusation s'annulaient mutuellement? Seulement vous n'arriverez à faire disparaître les fantômes.
et trouvez-lui un autre endroit où il pourrait aller s'ennuyer loin d'ici. Il pourrait rejoindre mes loups sanguinaires, moi. Les loups sanguinaires? Le maire a arrêté de payer la taxe, dip dip dip. Du coup, on ne pouvait plus être des scouts. Ça te plairait, petit? Oh, c'est clair, ouais. Super, mais pour l'instant, on a encore du pain sur la planche, ok? Il faut qu'on trouve le flux d'énergie qui traverse le bâtiment et finit absorbé par ses libres. Oh, j'imagine que vous allez devoir accéder au paratonnerre qu'il y a sur le toit. Tenez, voici la clé. Allez, Doulet, direction le toit. Et bien sûr, faut encore qu'il pleuve. J'ai obtenu la clé du toit. En y repensant, c'était dangereux. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessé. Vous avez failli me tuer, espèce d'inconscient. Sauf que vous êtes déjà morte, en fait. Un bel exemple de brutalité policière. Lol. C'était pas là avant, ça. C'est tout à fait le genre d'endroit qu'un gamin s'ennuie... qui s'ennuie rêverait d'explorer. Ok. Eh bien, allons sur le toit. Soupir, puisqu'il le faut. Je me suis déjà esquivé sur une des scènes de cette affaire. Du coup, je me demande si j'ai pas joué cette carte-là un peu trop tôt. L'avenir nous le dira, mon grand. C'est le câble qui provient de la pièce secrète et continue jusqu'au toit. Il faut vraiment que je monte tout là-haut. Quoi, t'as le vertige? Non, mais bon, oui. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai l'impression qu'on travaille que la nuit et toujours sous la pluie? Boîtier de raccordement. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Descendre. Descendre le plus vite possible. On dirait que le circuit relie le livre d'en bas à cette antenne. Je pense qu'il faut couper le circuit, puis connecter l'antenne au paratonnerre pour canaliser toute cette puissance. Pas tout compris, mais c'est à base d'un puzzle. Et du coup, c'est chiant. Ok, bon, déjà c'est coupé, c'est pas mal. Au secours. Pas du tout. Ça a l'air simple hein, quand même. Un truc comme ça, c'est toujours chiant. Hein. Mm.
Oh là là, c'est dur. J'y suis, mais sans y être. Bon, comme ça. Est-ce que je peux arriver à mettre un truc là, ici? Oh là là, c'est dur. Forcément un moment où ça va aller. Ouais. Ok. Bon, il y avait 10 000 transactions possibles, j'imagine, façon de faire. J'ai fait comme j'ai pu, hein, excusez-moi. Ouch, ma main! Regarde ça, ma queen, on dirait que l'orage se dissipe, c'est dingue. Ok, je crois qu'on devrait pouvoir refermer le livre maintenant. Ok. Bon. Pas le temps de discuter, il faut absolument que je referme ce livre. Oh yeah. Succès déverrouillé, celui qui murmurait à l'oreille des fantômes. Yeah. J'ai tout mis dans le coffre, inspecteur, mais je vois toujours pas pourquoi on a dû emporter tous ces livres. C'est de la contrebande. Et assez lourd, je dois dire, comme contrebande. Alors, Doris, on a un accord? Vous ne faites pas virer pour avoir conservé ce livre. Je dépose pas plainte contre le gamin qui est entré dans la chambre forte. Et je retourne à mes affaires à l'exception de la partie où je hante les gens. Trop marrant, c'était la bibliothécaire. Un petit peu la coupable, oui, on va dire ça. Vous devriez aussi faire réparer ces câbles. Oui, oui, d'accord. Allez, Doulet, retournons au bureau. À bientôt, campement, monsieur Doulet. Avec plaisir, Devon. Affaire classée. Oh yeah. Trop stylé, quoi. Trop la classe. Elle était bien longue, cette énigme. C'est dingue. J'ai trouvé bien sympa. Pour l'instant, le jeu est juste trop génial. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, ça m'a débloqué l'énigme numéro 3. Enfin, le dossier numéro 3, pardon. Au lieu qu'il était bloqué, donc ça va se débloquer au fur et à mesure, je suppose. Désorient Express, une histoire de train. Dolé m'a fait venir à la station de métro pour une soi-disant urgence. Résumé du dossier. Ok. Bon bah je pense que nous en fait c'est pas plus mal que ça a duré un peu longtemps. Je pense que nous on va s'arrêter là. Ça fera une vidéo un peu plus courte. C'est comme ça la prochaine fois on attaquera uniquement le dossier numéro 3. Comme ça peut-être on aura une chance de le finir en entier en un épisode peut-être. En tout cas moi je trouve ça super sympa pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Je le trouve juste génial. C'est dingue. Il a un charisme super trop génial. Il y a plein de personnages à personnalités différentes et tout. Enfin, il est juste vraiment cool, j'aime beaucoup. L'histoire des fantômes était super sympa. Je savais pas du tout que ça se passerait un peu dans la science-fiction, les fantômes, les mystères, les choses comme ça. Ben, c'est vraiment cool, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très très contente de le faire et il me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je vais certainement tenter le 100%. C'est fort probable, ou du moins de le finir jusqu'à la fin et puis on verra ce que ça donne.
avec les enquêtes bonus. Bon, n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis pour l'instant, je suis ravie, je suis absolument époustouflée. J'aime vraiment beaucoup, en plus les musiques sont juste géniales. J'adore. Bref, du coup, je vous dis à la suite, à la prochaine, pardon, dans la suite de mes vidéos, dans la suite de cette aventure fabuleuse pour le chapitre 3. Je vous fais à tous des gros bisous et bye bye !